Bon bah bonjour tout le monde, je voulais faire une petite vidéo là. En fin de compte je vais m'arrêter là dans quelques minutes là dans l'Iowa 80 là. Donc c'est dit que c'est le plus grand truck stop du monde. Donc il est là là. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais aller faire une petite vidéo à l'intérieur. Voilà, dans le fossé, vous voyez, il y a une voiture. Il est là, l'Iowa 80, c'est ça. Truck stop du monde. Bah, il est vraiment pas mal grand. Là, il y a au moins 1900 places. Je vais vous faire voir ça. Il y a le musée du camion, il y a tout qui est réuni ici. Bon, je vais pas aller au musée du camion, j'ai pas le temps. Mais là, tout est fait pour les camionneurs. Il n'y a plus un risque là. Là, là avec le drapeau, bah, c'est le musée. En ce moment, les températures sont au-dessus de 0 degré, donc il y a tout qui est en train de fondre. Bon là c'est pareil, hein, ça parking, il y a beaucoup de beaux camions qui viennent s'arrêter là. Lui devant moi, bah, il n'est pas allé non plus. Là. Je vais le laisser se garer, je me demande, je crois bien que je vais me mettre à côté de lui. Places un peu plus loin sont payantes. Je vais laisser faire sa manœuvre tranquillement, stop. Hop. Il est beau, hein? Petite citerne, là, tout sympa. Bon, il fait combien? 4 degrés? Les lignes, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a foutu. Bon, allez. Et ici l'été, alors là, il y a un grand meeting de camions. Oh là, il y a un flat nose là, entre les deux là. Ils sont assez rares.
Kenworth. Bon, elle est où ma place que j'ai repérée? Là, à côté du Swift. Allez hop. Bon voilà, me v'là garé. Et voilà, mettre ça sur pause. Bon ben tout de suite à l'intérieur. Oh voilà, ben, je suis prêt avec mon masque. Hein. J'ai mis les oreillettes. J'espère que vous m'entendrez bien. Et puis ben là je vais me diriger vers le truck stop quoi. Donc je suis garé là. À côté de moi, il y en a un qui est pas trop moche. Et puis on va aller voir ça à l'intérieur. Bon, il fait pas très froid, mais un petit vent, j'aurais dû mettre un bonnet parce que sans les cheveux. L'Iowa 80. Bon, c'est pas la première fois que je m'y arrête. Hein. Là, il y a tous les camions d'alignés. Hein. Décorative, une brique ou un caillou, je sais pas. Je filme un peu, vous ferez pause hein, si vous avez envie de lire ça. Voilà, on arrive à l'intérieur. Voilà. Voilà, ben voilà, il y a tout. C'est à peu près comme dans le Kenley. Sauf que lui, ben, il est plus grand, quoi. Ça, c'est immense. Voilà. Oh, il est beau. C'est un beau camion au décor de l'Iowa 80. Voilà, c'est comme un peu dans l'autre truc, il y a un peu de toit avant, on a les lumières là pour ceux qui sont fans d'être décorés. On est par là. Alors là, il y a des rayons fermés, je pense. Ils sont en train de les remplir. Ah, c'est dommage, ils ont enlevé là-bas. Apparemment, j'ai l'impression qu'ils font des travaux. Il y avait des camions exposés. Ah, ici, il y avait un camion d'exposé. Là aussi, il y avait un Kenworth. Ils les ont retirés. Et volant. Il y a le choix. Mince, ils sont en travaux apparemment. Là, c'est tous les pots d'échappement. Là, c'est le mur de lumière. Alors avant, il y avait un Kenworth là, exposé là, avec toutes des lumières dedans. Mais... à moins qu'ils l'ont mis ailleurs. Hein. Bon, là, les petites décorations, là. Bon, le fameux Mac. Hein. Combien il coûte? $109.
Les klaxons. Ouais, c'est vraiment en travaux. Hein. Alors ça, c'est ce qu'ils mettent autour du manche de levier de vitesse. Je vais le remettre. Ouais, c'est pour décorer. Oh, je vais tomber. Ça, c'est des bavettes. Oh, il y a vraiment tout ici, hein. Vous trouvez tout ce que vous voulez. On va aller là-haut. On va faire voir ça de vue d'en haut. Alors là, ben, vous avez le dentiste. Bon, là, ça doit être la laverie, mais pour l'entreprise ici, on va tenir une douche d'ouverte. Bon, c'est trop posé ça. Théâtre, par là. Théâtre. Ouais, bon, en ce moment avec le Covid, hein, tout ça s'est fermé malheureusement. On va y en laisser quelques chaises un peu là. Là, le théâtre est fermé. Vous avez un camion là d'ouvert. Là vous avez un chiropracteur. Si vous êtes allé au chiropracteur. Là c'est la laverie. Là-bas, il y a le coiffeur. Grande laverie. Salle de sport. Forcément, c'est un peu tout est un peu fermé à cause du Covid. Oh, c'est dommage, il y a des travaux. Normalement, il y avait des autres camions d'exposés là. Voilà, c'est où j'étais tout à l'heure en bas là. Bon, on va redescendre. À moins qu'ils les auraient mis dans une autre pièce.
Bah du coup j'en fais du sport en ce moment là parce que monter les escaliers, les marches. Bon là il est marqué forcément hein. Donc ouais, c'est le plus grand truck stop du monde. Toujours le coin guitare. Oh là, ils vendent un peu des accessoires, frigo. Bon, ensuite, ça continue par là. Bon, ici c'est plus des gadgets. Hein. Ici j'ai acheté un bonnet de biker. Là, bon, j'ai pris un tout simple. J'ai pris un truc dans ce genre là qui s'attache derrière comme les bikers mettent là. J'ai acheté ça, petit caprice. Petite vitrine. Ça me fait penser aux grands manteaux qu'on voit dans les westerns, les cow-boys là, qui mettent ça. Là. Forcément, il y a les chapeaux. Hein. Je suis un peu essoufflé à cause de mon masque. Les Santiago. GPS. Alors là, en dessous du camion là, qu'on avait vu d'en haut là tout à l'heure. Il est là. C'est vraiment la folie. Hein. Là même dans le restaurant, là, j'ai rien mangé à ce restaurant là. Il y a même un beau camion là, explosé. C'est un beau restaurant. Un beau camion là. J'allais manger cette table là. Après, bah, encore une fois ici, un grand. On va dire même un immense endroit pour acheter des souvenirs, des babioles. Red's Room. Alors ça c'est les toilettes. Ils sont là. Là bah, voilà, il y a de quoi acheter des petits camions là pour ceux qui collectionnent. Alors c'est marrant, regarde. Des camions européens ça va. J'avais acheté un beau foulard ici à ma femme. Je sais pas si c'est un, comment on dit, c'est un foulard, c'est un machin. Je sais pas si on est là. Non. Ah, il y a vraiment tout, hein. Hop. Là, c'est trop génial avec la benne d'un pick-up là. Ils ont fait un truc pour exposer
des tasses. Là, il y a un food truck. Là, c'est encore une benne de pick-up qui sert à exposer des choses. Ah, c'est immense, hein. Là, ici, j'aime bien c'est ça ce qu'ils ont fait, là. Je trouve pas mal, ça. Alors là, dehors, je vais re-rentrer après, hein, mais je voulais faire voir dehors aussi. Là, il y a un vieux petit camion, là. Bon, il fait un peu frais, j'ai froid ma tête. Alors l'autre côté, là, il y a encore un autre truck stop. Mais c'est plus petit forcément à côté de lui ici. Là encore un vieux camion, là, Yawa. Il est trop beau. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas la première fois que je m'arrête là, mais à chaque fois, je suis vraiment émerveillé par ce truc-là. Là. Même là, l'entrée. Les deux trucs en, je dirais, de l'aluminium, là, ça rend bien, je trouve. Hop. Une belle affiche publicitaire, là. C'est peut-être comme c'était avant, ici. Et là, il y a encore une fois un vieux camion, là. Ah, il est beau aussi, bien, c'est un Ford, là. Ah, il est vraiment beau, hein. Je sais pas s'il y a moyen de voir dedans. Bon, il est chargé, donc ici, bah, tous des machines à café. Ça me fait rire, moi, tous leurs grands, leurs lignes de frigo, là, avec toutes les boissons. Ouais, ils ont enlevé les deux camions là, c'est dommage. Bon voilà, enfin c'est immense, hein, comme vous voyez bien, hein. Fort, c'est incroyable. Bon, moi je vais m'en retourner à mon camion et puis je vais. Voilà. Je vais retourner au camion, puis je vais encore rouler un petit peu parce que j'ai encore un peu d'heure à rouler. Et puis je vais m'arrêter vers 8h30, 9h. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vais poster ça dès que je rentre. Là. Voilà. Moi, c'est vraiment immense. Hein. Voilà. Voilà, il y a un petit cochon, on peut s'asseoir. Là, il y a les tasses. Ceux qui sont fans de casquettes, là. Il y a des belles casquettes. Peterbilt. Kenworth. Oh, forcément la casquette Iowa 80.
Voilà. C'est comme ça que c'est ici, dans celle-ci. Bon ben, faudrait que je revienne voir les travaux là, qu'est-ce que ça va donner. Bon moi, comme je dis, je suis pas tellement fan des camions tuning, donc c'est pas ici que je dépenserai mon argent quoi. Voilà. Allez, un petit coucou. Avant, il était ouvert, lui. Avant, on pouvait monter dedans, mais j'ai l'idée qu'avec le Covid, ils ont dû le fermer. Ouais. Voilà comment c'est le tableau de bord. Voilà. On retourne, moi. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je reviendrai là une fois que ce sera fini, les travaux seront finis quoi. Voilà le parking. Là il y en a un beau là. Je vais aller en faire un petit tour autour là. Pas lui mais l'autre là. Avec ses cheminées là, il est vraiment beau lui. Ah, lui est beau, hein. Oh, wow. Kenworth.